Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour notre rétrospective des meilleures télé-réalités de l'année. Et pour bien commencer, mettons-nous en appétit avec un dîner presque parfait. J'ai particulièrement bien aimé le repas de ce soir, cervelle de pigeon de Senef. C'était particulièrement bien juteux et croquant sous la dent. Pour le plat consistant, c'était du koala d'Autriche. Je connaissais pas trop, mais c'était très, très goûtu, sur son lit de poils cramés. Pour le dessert, j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon et pourtant périmé depuis 8 ans. Un tiramisu exquis, fabuleux. Et pour tout le repas, pour l'ensemble de la soirée, je donne une note de 16 sur 10. Eh ben, dommage. Hein. Tu seras pas dans ma prochaine lasagne. Mais merci pour la note. Maintenant, dégage. Aujourd'hui, j'ai décidé de voter contre Brian. Parce que c'est un gros naze et un gros fainéant. La semaine passée, je lui ai demandé de me mettre de la crème solaire, il n'a pas voulu et j'ai cramé. Non, moi je suis pas d'accord. Ça va, si tu veux, on vote pour quelqu'un d'autre. Ok, bah votons Audrey alors. Vu qu'elle fait jamais rien. Ouais, t'as raison, jamais. Non, elle a jamais voulu mettre de la crème solaire, aucun de nous deux. Alors moi c'est Kevina, je veux te raconter ma journée. Déjà de 1, je suis dur à me lever à 14h du matin. Franchement, j'en peux plus. Aujourd'hui, Jordan m'a dit « Ouais, il faut que je voie ton nouveau collier. » Et regarde mon nouveau collier, il l'a critiqué alors qu'il est vraiment très beau, quoi. Je l'ai acheté aujourd'hui, c'est un Givenchy. En plus de ça, il critique ma veste en poil cramé de quoi, là, d'Autriche. Franchement, s'il continue à me critiquer comme ça, moi, je vais lui déclencher la première guerre 14-22. Aujourd'hui, de SOS, ma famille a besoin d'aide. Je m'occupe des jumeaux qui ne peuvent plus s'entendre. Ce que tu dois faire quand tu dois te battre, c'est donner un coup comme ça à la poitrine. Après, tu fais ça. C'est boule et balayette. Bon, les gars, je peux plus rien faire pour vous. La seule solution, c'est qu'un d'entre vous meurt. Mais n'en foutez pas partout. Balance ton quoi. Un jour, peut-être, ça changera. Même si tu parles mal des filles, je sais, au fond, t'as compris. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Franchement, t'as une super belle voix. J'ai adoré. Tu m'as foutu les frissons. C'était incroyable. Ta voix, waouh. Merci. Ouais, je sais que je chante bien, merci. Moi, j'ai même pas de mots, tu m'as bluffé. Ta voix et ta prestation étaient incroyables, j'ai pas de mots. Juste à part, viens dans mon équipe. Donc voilà, tu dois faire un choix. Et voilà, ton choix, il est forcément dans mon équipe. Non, mais en fait, ça m'intéresse pas de venir avec vous parce que je pense que je suis meilleur que vous. Attends, c'est quoi ça? C'est une blague? C'est quoi cette émission? Je comprends rien du tout, moi. C'est ici que se termine notre programme. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Bonne soirée à tous.